Il est chaud, il est tout beau. Non, je ne pars pas d'Eran, je parle de ce tout nouvel épisode consacré à Guild Wars 2. Bonjour Eran. Salut tout le monde. Alors, il paraît que tu es quand même... Tu m'as dit avant de commencer, je suis tout chaud, je suis tout beau. Explique-nous. Je suis tout chaud, je suis tout beau. Non, c'est surtout que je me suis hydraté avant de commencer parce que j'avais grand soif. Ah, il faut toujours penser à s'hydrater. Alors là, on va vers Edoras. Nous sommes dans les terres du Rohan. Et nous allons vers Edoras. Alors ça, c'est un autre jeu, les terres du Rohan, mais pourquoi pas, une très belle inspiration. Là, sans déconner, bon, c'est sûr, c'est pas très ressemblant, mais ça ressemble un tout petit peu à Edoras. Oui, puis ça ressemble un tout petit peu à un Hobbit aussi, de loin. Mais non, je ressemble... Bon, plus à Gollum, quand même, à Hobbit de 500 ans, tu vois, mais bon. Alors, parler à Ivy ou Rupel pour... Ah, oh, on m'attaque. Attends, oh, je Dieu, peux lire. Ça commence. Est-ce que je peux lire? Vas-y, alors, je la crame. Avez... Alors, aujourd'hui, on peut le dire, pas de Forsyk Swan. Pas de Forsyk Swan. Non, Forsyk Swan nous bouillonne pour aujourd'hui. Non, non, il nous bouillonne pas. Il avait prévu qu'il ne serait pas là. Et puis, bah, au début, on était en duo aussi. Hein. C'est vrai qu'à la base, c'est du duo. À la base, c'est du duo. Mais après, si les gens le demandent, hein, il sera très content de revenir. Vous inquiétez pas. Et puis, si vous ne le demandez pas, de toute façon, il va revenir quand même. voilà, on vous l'impose. On vous l'impose. Empoisonner des provisions, détruire les plans, blesser les bandits. En duel et aider vos alliés déjà infiltrés. Et bah ben c'est parti. Donnez-moi ce déguisement, ok. Ah d'accord. Oui. Voilà, attends. Je suis toute belle. J'ai pas de déguisement. Vite, déguise-toi. Ah je suis déguisé. Oh regarde. C'est plus qu'un déguisement, t'as grandi dis donc. Ah ben, hey, moi j'ai le sens du déguisement. Moi c'est... Attention. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Ah non, on empoisonne des trucs. Allez, on empoisonne des trucs. Tiens, un morceau de papier. Je vais cramer les morceaux de papier. Vas-y, crame le morceau de papier. Interagir. Quartier du général a ordonné machin. je vous ai à l'œil, dit-elle. En fait, on joue les petites putes quoi en fait là tout de suite. Mais pas du tout, mais pas du tout. On s'infiltre quand même dans le campement d'honnêtes citoyens pour aller leur voler, leur brûler leurs papiers, leurs provisions. C'est ouais. Quand même vilain. Moi, je suis surtout des bandits, hein. Mais bon, les honnêtes citoyens, je t'en collerai, moi. Ah, c'est que on a eu que le point de vue de la nénette qui était à l'entrée du camp. Hein. Ça gagne combien, Séraphin? Trop peu, sans doute, pour les dédommager d'avoir affaire à nous. Pourquoi vous pensez rejeter une conduite? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, tu te fais des potes, toi. Ouais, exact. Mais les Séraphins doivent bien toucher ce genre de sol, non? Assez pour subvenir aux besoins d'une famille, au moins. Ou songer à fonder une famille par ici? Disons que les circonstances sont pour leur pâle, imagine, infliger quiconque. Ah bon, quiconque? Voulez-vous infliger c'est vous-même qui, quiconque. c'est quiconque, le personnage emblématique de Guild Wars 2, bien entendu. Ah bah oui, le héros de Guild Wars 2 qui s'appelle quiconque. Attendez, je parle aux gens. Un instant, un duel rapide, je te pète ta gueule. Moutien. Ah, tu peux lui faire un duel. Moutien. Je ne sais pas où t'es, je veux voir le duel. Oh. Qu'est-ce que je fais? Où c'est que t'es caché? Ah, mais tu es à l'opposé du camp, c'est pour ça que je te trouve pas. Attends, je me fais péter la gueule. Arrête. Mais oui, dis donc. Mais tu es mauvais. Arrêtez. T'as gagné, arrête. Mais c'était limite, hein. Ah non, mais j'ai mis le... Tu sais, étant femme, je connais les points faibles d'un homme. Et j'ai pu faire la technique ultime, que bien sûr, je ne dévoilerai pas ici, sinon le public féminin pourrait bien sûr disliker cette vidéo. C'est incurant. C'est vrai que tu as toujours été... Tu es une femme Barbara Gould, on le sait tous. Ah, mais c'est tout à fait moi. Je connaissais pas, tu vois, ce petit camp où on doit aller saloper un petit peu le moral des troupes et d'aller voler des choses. Ouais, ouais, bah moi, moi j'aime bien. Putain, ils font hyper mal, en fait. Tiens, mon chat. Tiens. C'est ça qui est bien, c'est que comme il y a beaucoup de régions pour commencer, on n'est pas obligé de connaître toujours les mêmes régions. Ah, mais le jeu est... très long en fait, hein. Moi-même je connais très peu le jeu, mais quand je vois le contenu qu'ils ont ajouté à celui-là, j'avoue, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ah, je vais mourir empoisonné, nique sa mère. Mais moi c'est un vétéran là que je suis en train de me faire, c'est pas facile. Mais j'ai confiance en mes compétences de femme, moi aussi. Car moi aussi je veux être une femme Barbara Gould, y a pas de raison. Ou tiens, je te pète la gueule. Ah mais t'es là, c'est toi qui m'aides en fait. Bah, on est plusieurs à t'aider en fait. Ouais, j'ai tellement l'habitude de te voir tout petit. Que bah là, non, là coup, tu. On se ressent en plus, on a la même rebête. Oui. Pète la gueule. Vas-y, vas-y, je vais le cramer. Oh tiens. Oh, pirouette. Pourquoi toi tu l'attaques au corps à corps? T'as que des armes de corps à corps? Ça suffit. Bah ouais. Moi j'ai pu garder mon lance-flamme. Les mecs ils ont même pas remarqué que j'avais un lance-flamme. Moi j'ai une dague alors. J'ai mis. le boiteux. Ah voilà, je vais pouvoir l'attaquer aussi.
Ce cœur-là, il est facile à remplir vu que la zone est toute petite. Ouais, non, mais bon, après, il y a quand même des trucs à faire. Hein. J'ai l'impression qu'on se traînasse un peu. C'est toi qui traînasse. Yeah, je l'ai cramé sa gueule. Il est con, il ressaute dans les flammes. C'est con, un mob, en fait. Hein. Enfin, tu me diras, en PVP, je suis guère plus intelligent. En fait, je suis en train de séduire tout le monde, là. Ah, toi, tu fais ta... D'accord, ok. Ah, moi, je séduis, moi. Ah, toi, tu es encore d'emblée d'Ensoul dans ta tête. Hein. Tu fais la pousse, toi. Parce que oui, mesdames et messieurs, Eran joue à Blade and Soul, lui aussi. Qui ne joue pas à Blade and Soul, d'ailleurs. À part Yarkos. Bah... Non, il y a du monde qui joue pas. En fait, il y a énormément de monde, bizarrement, qui boot Blade and Soul, dans le sens où... D'ailleurs, j'ai lu un commentaire qui disait comme quoi Blade and Soul, ça allait être soufflé par Black Desert Online, c'est-à-dire... Ah, toi aussi, t'as vu le papier. Ouais, et moi, je trouve ça complètement ridicule. C'est pas du tout comparable. C'est pas du tout la même chose, quoi. Enfin, c'est carrément deux univers différents. Il y a tellement de MMO différents, tu vois. Tu peux pas dire ça va bouffer quelque chose, tu vois. Par exemple, on s'attendait à ce que Guild Wars 2 soit un bon jeu, un bon MMO, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, je rigole. Non, alors qu'en fait, si, c'est un très bon MMO. Ouais. Mais tout le monde disait que WoW, du coup, disparaîtrait, ce qui est complètement faux. Ouais. On disait que Squatter Online était un très mauvais jeu. Et pourtant, il y a une énorme communauté dessus, comme Neverwinter et comme d'autres. Il y a une communauté pour chaque type de jeu, et ça, je trouve ça bien. On n'a pas besoin d'avoir 15 millions d'abonnés pour qu'un jeu fonctionne. Du moment qu'il soit rentable suffisamment, bah voilà, c'est bon. Tant qu'il vous divertit, quoi. Faut partir de ce principe-là aussi. Il faut qu'un jeu vous divertisse. Si vous jouez à un jeu parce que vos potes y sont, mais vous faites chier, arrêtez, quoi. Ça sert à rien. C'est vrai. Quand vous aimez un jeu. Juste pour faire une parenthèse, j'ai terminé le cœur, moi. Je suis à l'avant. Bah moi aussi, ça y est, là, je suis pareil. Ok. Donc je reprends mes sous. Vas-y, prends des... Et je quitte. Vous ne m'êtes pas familière. Non, je quitte le campement parce que... Ouais, par la porte. Quand je passe la porte, en fait, je fais la taille du dessous de la porte, donc... J'avoue. Mais en tout cas, voilà. Ah, c'est un accessoire. Ouais, mais ouais, de toute façon, pour beaucoup de personnes, et même aux Coréens, c'est tous les mêmes, c'est de la merde. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien. Il y a tellement de choses différentes. On va pas épiloguer tout l'épisode non plus sur un autre jeu. Non, mais tout à fait. Mais moi, je reconnais par exemple que je suis pas trop fan de tout ce qui est asiatique, tout ça. C'est pas un univers qui m'intéresse et je trouve ça même des fois un peu gnangnan. Mais là, je le trouve bien. Je m'amuse dessus, tu vois. C'est vrai qu'il est chouette. Et en plus, finalement, j'avais dit qu'il y avait que des poufs dans le jeu, enfin que des mecs qui jouaient des petites poufs à Grunichon. Bah, il y a de plus en plus de mecs en jeu, j'ai l'impression. Mais oui, parce que les gens ont découvert. Je pense que les gens ont créé des persos en mode ouais, de toute façon, c'est un MMO comme les autres. Et quand ils ont vu que le scénario était assez solo quand même, je pense que les gens se sont dit finalement, je vais faire un héros à mon image, peut-être plus charismatique, peut-être que j'ai envie d'en faire un vrai héros, tu vois. C'est vrai. Bon, je termine ici parce que j'ai vu qu'il y avait un événement. Ouais, on les déglingue, on leur pougne la gueule. Donc comme ça on va leur faire leur petite affaire. Tiens, je mets ma petite tourelle. Ouais, la tourelle est très puissante, hein. Ça aide pas mal. Bah ça fait comme si on était trois. Par contre, ce mur de feu, est-ce que c'est toi qui... Ouais, c'est moi qui le fais. Donc tu peux le traverser, t'inquiète pas. Parce que moi aussi je peux en faire un. Bah fais-le alors. Mais non. bon, non, attends, j'ai pas envie. La quête se solera par un échec si les bandits atteignent le camp. Ah d'accord, donc en gros on protège cette caisse. Ah ok, faut protéger la caisse. T'as bien fait de lire parce que je me demandais pourquoi je pouvais pas la choper. Alors bouge pas. Ah, ils sont derrière nous les bandits. Hein. Ah, attends, est-ce que tu peux tenir et moi je réanime les mecs. Vas-y. Voilà, allez go. Il y a une autre personne qui fait le défi. Ah aussi. Bah nickel. Eh bah voilà. Ah bah voilà. Oh là là, que c'était compliqué. En gros, je les ai ressuscités, ils ont récupéré leur truc. Ah, tiens, il y a un petit marchand là. Ah c'est super qu'il y ait un marchand justement. Ça tombe pile poil bien. Ah bah non, j'ai déjà vendu au marchand d'avant, moi je suis con. Ah aussi, hein. Par contre, j'ai une marque de puissance que j'ai pas utilisée. Bah j'utiliserai... Ah, je suis pas le level, faut le niveau 20. On n'y est pas encore, il reste la moitié à faire pour ma part. D'accord. Pour atteindre le niveau 20. Là on va descendre, là il y a un cœur juste en face. Ouais, allons faire le petit cœur qui est juste en face. Moi je ramasse sur les cadavres. C'est très guerrier ici. Terrasser les bandits, détruire leurs armes et provisions, aider les scrits à ramasser les colifichets. Les colifichets. Dans le canyon. Alors, faut aller dans le canyon. Bah, allez, go. Toi, t'y vas en sautant, toi. Ah, faut pas. Oh putain. Heureusement que la vie, elle remonte vite quand t'es pas en combat. Ah, ouais. Bah, attends, on descend encore. Non, c'est pas fini. Attends. On va en chier pour remonter, pour trouver la sortie. Mais non. Oh, mais il y a plein de minerais. Attends, je fais un peu de minerais. Donc, parce qu'on en fait peu. On en fait peu du crafting. On en fait peu, mais on le fait bien.
Bah, faut peut-être en faire quand même, parce que j'ai regardé un peu au niveau du crafting, il y a des objets qui pourraient te servir. Le seul souci, c'est que ça te permet de prendre, ça te fait de l'XP ou tu peux prendre des levels avec aussi. Oh, par les femmes de l'enfer, meurs hein. Je me suis pris une boule de je sais pas d'où elle sortait, ça m'a expulsé. Ah, mais c'est un vétéran ça, carrément. Putain, t'as qu'à gros, toi, dis donc. Ah, mais moi je suis un dingue. Moi je suis un dingue. Moi je. Tu vois, dans ma vie, je me dis, je suis un dingue. Voilà. Nice. Okay. Alors, il y a quoi dessus sur son petit cadavre? De la merde, c'est pas grave. J'ai pas l'impression finalement que ça soit dans le canyon, quoi. Faut peut-être remonter. Si, si, moi je m'occupe des reliques là. Ah bon, bah écoute. Y en a un qui bosse, c'est bien. J'ai pas tout compris en fait. Fouflez le taquet pendant que toi tu. Je ne sais pas ce que tu fais. Bah, je cherchais les. Ah, c'est ça, oui. Pardon. Effectivement. Effectivement, c'est bien ça. Tu vois, et ça fait pop un monstre. Oh là là, mais tu vois, moi je tords que des vétérans à chaque fois. Moi je suis un. Et moi je suis un dingue. Tu vois grand toi, hein. T'étais plein d'objectifs dans ta tête. Oh là 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 là. Là bientôt là je vais aller au Portugal, je sais pas pourquoi. Ah, ça te dit non? Ah bah est-ce que j'ai le choix? Ah bah là je mets un coup. Allez, viens ici, il faisait bon aujourd'hui, on avait 25 degrés les enfants, rien que ça. Eh oui, oui. Alors j'ai chopé un truc. Ah, une lienne. Parce que par contre ils font vachement mal les bestiaux, avant ils mettaient pas autant, là je me prends des 200 dans la gueule, ça pique un peu. T'as vu quel level ils sont? Non. Ah oui, effectivement, j'avais pas fait gaffe. C'est le mec. C'est un petit peu limite pour nous, ça va qu'on est deux. Ah mais je me disais que dans un MMORPG, c'est quand même bizarre de prendre si cher, mais j'avais complètement zappé le système de niveau pour le coup. Hop. Il va repasser par le mur de feu. Et je comprends pas qu'on ait pas plus specs que ça alors si on est dans une zone pareille. Pourquoi on aurait été trop vite en besogne dans les zones? On aurait... Je sais pas du tout. On a peut-être loupé. On prend aussi notre temps. Oui, oui, bah oui. Par exemple, il y a des fois où quand on faisait des lives, on passait 3 quarts d'heure sur 3 heures à faire du jumping. Ah, attends, je suis blessé, rien. Je boitais. Ah, tu boitais, tu t'es pris encore un coup mal placé hier soir. Ah, bah là, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai fini mon cœur. Je suis au taquet aujourd'hui, donc d'habitude, c'est toujours moi qui suis à la traîne. Bah ouais, là, moi, je galère un peu. Bah attends, il me manque une relique. Vas-y, on va chercher ta relique. Je suis une relique si tu veux. Bah voilà, c'est fini. Voilà, nickel. Hop, petit ennemi. Hop. Tiens, je lui dépose une bombe au pied. Voilà. Parce qu'une fois arrivé quand même au niveau 20, on aura déjà fait un quart de l'aventure. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, oublie pas qu'après, c'est un peu plus long quand même. T'as fait j'ai eu un masque. Ah. Oui, et j'ai gagné un masque. C'est bien ça. Mais attends, je vais voir la gueule que ça a. Parce que comme j'ai une tenue, le truc, c'est que tu peux pas l'avoir. Eh bien non. C'est d'un compliqué tout ça. Ah là là, les gens ils aiment quand c'est complicationné comme ça. Ah oui, non mais c'est dégueulasse, vaut mieux que je garde mon stuff de Gandalfette. Alors viens. Ma Gandalfette. Comment qu'on ressort d'ici maintenant? Elle est où la sortie? Mais c'est là-bas. Ah, oh, il fait pousser des fleurs lui quand il marche. T'as pas vu? Ça c'est parce qu'il a, des biocarburants sous le pied, c'est un truc comme ça. C'était trop beau, il marchait, ça faisait plein de poussées de fleurs. Oui oui, bon, tu sais, hein, tu sais, il y a pire. Y'a pire? Y'a pire. Ce que je sais pas en tout cas, c'est où est la sortie? Allez, cramons la hyène! Ouais, t'inquiète pas, elle va pas faire long feu. Oh, l'épée de malade qu'il a, lui! Il peut passer au-dessus de toi? Ah merde! Y'en a encore un monstre! L'épée, elle fait la taille d'un foufflet. Toi, elle peut... ouais, il est passé, il a même pas besoin de baisser et de relever son épée, tu passes en dessous direct. Ah, mais moi j'esquive ce genre d'attaque. Non, tu esquives. Ah, moi je fais des slow motion. T'as remarqué qu'il y avait c'est des maisons en fait, les rochers, les falaises? Oui. Ouais, j'ai seulement de remarquer. Les tailles, les portes, elles sont à ta taille en plus. C'est des petites maisons du Hobbit. Arrête un peu ton racisme. Alors, attends. Il y a un point de passage un peu plus loin, le laboratoire de Proxy au-dessus là. Tu vois. Mais fais-toi plaisir. Bah écoute, suis-moi. Bah, je suis content. On croise rarement du monde sur le jeu. Ah bon, j'ai l'impression. Bah non, mais qu'on voit combattre à nos côtés un petit peu. Je vais au vendeur ici. Moi, je trouve qu'on croise souvent du monde. Tu trouves qu'on croise rarement souvent du monde? On croise souvent du monde, ouais. Et pas rarement souvent, je sais. Essaye pas de m'embrouiller. Après, on va encore dire que je suis toujours bourré quand je fais des vidéos. Mais non, je suis pas bourré, je suis normal. Oh, ça, je suis pas sûr. Oh, j'ai gagné 3 lauriers. Je sais pas à quoi ça va me servir. Des lauriers? Qui fait que des lauriers? Bah, j'ai eu des lauriers. Alors, ça doit être une monnaie du jeu.
Alors par contre, je suis pas encore adapté à tout ce qui est monnaie du jeu, système d'achat, ça on n'a pas encore fait le tour parce qu'avec Fouflet, comme on fait, enfin en tout cas pour ma part, puisque dès qu'on lance le jeu, c'est vraiment pour faire un épisode. Ouais, puis de toute façon, on est bas level, donc on a le temps. Puis comme on prend, c'est vrai qu'on prend notre temps, nous on économise le maximum de ressources, en tout cas pour ma part. En fait, Et tu peux puis. dire, hein, on est des gros radins. Non, le poids du gros radin. Mais moi, au pire, ça c'est un truc, j'aimerais bien, peut-être dans les commentaires de la vidéo, tu vois, que si les gens connaissent mieux le jeu et qu'ils suivent, bah qu'ils n'hésitent pas à nous donner des petits trucs, quoi, ça pourrait être sympa. C'est vrai, des petites astuces. Ah, un puzzle de guilde. Me dis pas que c'est pas vrai. Ouais, mais C'est fermé. on n'a pas de guilde. Oh non, mais comment qu'on va le faire? Il faut sûrement avoir une guilde. Bah, créons une guilde, vite. Ouais. On peut pas arriver et faire genre, hey, bonjour, on est de la guilde. Voilà mes faux papiers. Oh Bon, c'est là. pas grave, on va faire autre chose. Bah tant pis, hein. Allez, je te suis, choisis ta destination, vends-moi du rêve. Je te vends du rêve. Bon Ah bah bien. oui. Je t'emmène dans un petit village sympa. Ah bah il a... Ah, je suis sûr que c'est le truc en face, non? Mais non, pas du tout. Parce que bon, ici, c'est pas des plus sexy comme zone, hein. Mais comment ça? C'est la région de mon enfance. C'est là où j'ai Ah, grandi. ça Mais explique oui. beaucoup de choses. Ah bah, hé, je suis tellement tombé que mes jambes elles sont montées jusqu'à la Ah tête. bah voilà, ça explique tous ces traumatismes. Ah, minerai. Bon, je récupère un peu de minerai parce que bon, j'aimerais bien découvrir un peu hors caméra après le système de crafting. J'aime bien parce que le mec il est en train de miner et puis il me fait attends hein, je récupère un peu de minerai. Bah oui bah je le vois. Hein. T'es en train de le miner donc C'est hyper important oui. d'annoncer les choses. Oh, un tire-laine. Viens, dégage. Allez viens me tirer la laine, toi, mon petit coquinou. Va cramer sur Yoshi Island. Eh pourquoi c'est sur moi qu'il arrive direct? Mais parce que c'est toi le plus gros, c'est pour ça. Ouais, je suis pas gros, je suis fort, je suis musclé. C'est parce qu'il m'a pas vu, alors il a fait Il ouais. a dit putain ça sort d'où? Oh putain! Oh là Mais là! pourquoi t'es venu Oh ici? On a rien à faire là au milieu. là! Ah, sauve-toi! Enfin, aide-moi! Bah je suis avec quelqu'un sur le cul. Bah, moi j'en ai trois! Ah bah mais toi t'es une gourmande toi. Ah bah, moi je suis très gourmand. Wouah! Par les flammes de l'enfer! Joli. Allez venez 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 que je vous crame la gueule. Ah putain, je prends tellement cher! Ça saute dans tous les sens! Oh là là, on est en train de faire un massacre. Tu vois le joueur qui est passé là, il fait pousser des fleurs. Oh là là! Il y en a, ils ont de la chance quand même. Oui, hein. Moi je crame tout, lui il fait pousser des fleurs. Chacun son truc, hein, que Ah veux-tu. là, oui. T'as bientôt plus beaucoup de vie, toi. Non mais ça va, ça va. Oh, un manteau clouté aiguisé, peut-être serait-ce bien. C'est quoi cette grosse boîte qu'on peut fouiller? Ah non, on peut pas la Je fouiller. ne sais Mais on pas. a rien Non à mais il y faire dans le avait. camp, Mais là. non mais il y avait un point à récupérer, alors je l'ai Un pris. point? Eh oui. Un point de quoi? Ah! Je vais mourir. Un point Je de vais. quoi? Je vais décéder. Mais qu'est-ce que tu me racontes, un point? Allô? Attends, j'ai besoin d'aide. Mais Le t'attaques point, qui, là? il y a un point de lieu. Ah. Ah, merci. Ben moi, je sais pas si je l'ai eu. Faut aller jusqu'au fond du camp pour l'avoir. Non, bah non, tu vois sur la map là le petit carré. Alors, est-ce Bon, que je l'ai débloqué? Non, ça ne me l'a pas débloqué. bon bah courage. Attends, si je fais le tour. Non, si Bah je fais le tour, ça va non, pas aller. rentre, tu vas au milieu, tu reviens, puis on Ouais. se tire. Pendant ce temps-là, je regarde où on va aller et puis. Plaisanter, n'est-ce pas? Oh bah je sais exactement où on va aller. Voilà, ça me l'a débloqué. Bah allez, viens. On se tire. Tirons-nous d'ici! Tiens, regarde un cochon. Un cochon. Oh, une grosse cochonne toute rose. Il y a plein de cochons. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là? On peut même enculer un cochon. Non, allez pas. Ah T'es tombé dans un trou? Ah non, ça va. non, ça va. Tout J'ai va. cru que t'allais disparaître à jamais. J'ai eu peur. Je me suis dit putain. Alors, je viens de voir une grosse explosion sur le plateau du dessus. Sur le plateau du dessus? Ouais, là, juste au-dessus. Ah. Ah, j'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il, Qu'est-ce Lévry? qu'il a, le petit monsieur? Je ne sais pas si je suis taillé pour Alors, ça. gardez-les ouverts, mon ami. Ces contrées sont dangereuses. Que faites-vous ici? J'ai amplifié mon mission. C'est afin d'envoyer des espions du camp de relativement du bandit. Je garde un œil sur la situation des Séraphins. Vous agissez au nom des Séraphins? Oui, les Séraphins ne peuvent pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un pour surveiller le camp sans bousiller la couverture de leur soda là-bas. Que Tu surveillez-vous? parles un peu trop vite, personne ne comprend rien là. Ah non, mais c'est parce que je lis pour moi-même et après je vous fais un résumé. C'est pour faire Séraphin, ça fait très bien mieux. D'accord. Pourquoi est ici important? Séraphin On s'en contrôle fout de les. ton résumé, je crois, en fait. Donc en gros, ce mec-là sert à Bouge. rien. Tu viens de nous faire perdre 40 secondes de notre vie. C'est honteux. Mais non, pas du tout. Bouh, un gros bouh pour Eran. Mais j'essayais de m'intéresser à l'histoire. Mais on s'en fout, l'histoire, c'est de tuer tout ce qui bouge. Et d'éviter les bouillonnades. D'ailleurs, on a reçu un mail de PETA hein, à cause de Force X1, parce que vu son nombre de kills, ça ne va plus du tout. Moi je reçois des mails de pétasse, mais pas de Oh, pétard. il est ressorti nulle part. Mais c'est normal, ça s'appelle se camoufler. Bah, mais Tu c'est verras, il y a teinte. beaucoup de jeux qui font ça.
Mais c'est un tigre. Ah, on sent bien le débutant. Mais d'en haut, t'as pas des tigres qui font ça, Strangleronce? Pas du tout. Pas du tout. Je ne connais pas Strangleronce d'ailleurs. Parce qu'au moins on les voit. Ici, quand ils sont camouflés, on les voit pas. C'est pas normal. C'est du vrai camouflage. Ah bah, effectivement. Pas du camouflage de PD, dis donc. Oh, là, tes potes. Eh oui. Tes potes à la lornière. Vous êtes au cœur des terres sauvages de Brisbane. Oh, bah, nice. Et manque de chance, vous êtes au cœur, de la criminalité. On est dans le caca. Ouais, t'as vu, encore un camp avec un site remarquable en plein milieu. Ne vous éloignez pas. Eh ben, on y va. Allez. Allez, mon petit foufleur, on y va. Allez, allons pénétrer ce camp, mes amis. Tiens, regarde. Un raton laveur. Oh mon dieu. Oh, regarde, c'était un raton laveur. Je lui ai mis 2400 dans la tronche, le pauvre bestiau. Bah ouais, mais la bouffe poupette, tu parles, c'est du level 1. Un level 1 peut facilement vaincre un level 23. Donc c'est évident. Surtout quand il s'appelle Eran, c'est ça. méfie-toi du camouflé. C'est ce que disait mon grand-père. Ah, ton grand-père te disait ça, méfie-toi du camouflé. Méfie-toi du camouflé. Voilà. Alors. Allez, meurs, le tire-laine, là, nom de Dieu. Mais mourir. C'est bon, il est mort. Putain, comment il crame, les pauvres. Ah, par les flammes de l'enfer. Attends, je te mets une bombe. Ah, la vache. Oh, l'autre, tu m'as mis un crit. Ça va, oui. C'est quoi ce racisme contre les Minimoys? Les Minimoys. Mais non, tu es une vandale faite, tu as dit. Bon, j'ai toujours pas chopé le site, moi. Mais il est là, moi non plus, je l'ai pas. Allez, là, pour là. Ah, voilà, c'est bon. Bon, bah, allez, on les crame. Allez, cramage. Cramé. Mais t'es où? Pas là. T'es où? Hop là. Je suis en train de poser des bombes, moi. J'éclate tout ce qui bouge. Faut pas m'emmerder, moi. C'est explosif. Ah, non. En fait, Foufflet, techniquement, c'est pas très, très rentable ton baril de poudre dans les mains quand je tire des flammes à côté. Mais si, je ne vois pas de quoi tu parles. Ici, on n'a rien à faire dans le camp. Non, faut qu'on descende. Viens, on sort du camp, on va faire le tour. Ah, putain. Ah, tu t'es fait encore des potes, mon choupinou. Ah, mais moi, j'aime bien, moi. moi, je suis quelqu'un, j'échange de l'amour et du contact. Ah ouais? Tu veux pas échanger des PO? Allez, je vais la voir avec mes super bombes. Allez, éclate, voilà. Je fais boum 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 partout, boum 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 boum. I want you in my room. C'est pas karaoké ce choix. C'est les Venga Boys, j'écoutais ça au collège. Bon, tu devais avoir 4 ans, toi. Oh oui, j'étais jeune. Ouais, tu étais. Tu n'avais pas encore de barbe jusqu'aux yeux. Ah non. Le rasoir pour toi, c'était inconnu. Enfin, quoique par moments, ça l'est toujours. Hein. Mais dis donc. Et des fois, tu es le Père Noël des Vosges. Le Père Noël vosgien. C'est ça, c'est le même, mais... Mais tu sais que je suis pas le plus barbu de YouTube. Hein. Ah bah oui, je sais. Bah heureusement, hein, parce que t'es pas non plus... Mais ça pourrait être un beau défi. Tu n'es pas un paillasson non plus. C'est mignon, ces petits arbustes, là. Enfin, ces gros buissons. Parce que si je viens travailler au Portugal... Oui. Avec toi, mon ami. Oui. Ça veut dire que je vais pouvoir laisser pousser le poil. C'est fierté nationale au Portugal. Ah bah oui, hein. Par contre, évite de te mettre des chouchous dans les poils parce que c'est justement comme ça qu'on reconnaît les filles au Portugal. Hein. Ah d'accord, d'accord. Tu mets des chouchous dans les poils et comme ça on sait que c'est une fille. Alors, elle a des kikis, c'est une fille. Perturber la rencontre entre la cour des cauchemars, les enquêtres et les bandits. Donner des documents de bandits volés au caporal Rechachi. Ok. Moi je sais pas, j'ai pas lu, je vois des monstres, on n'a pas réfléchi. Non, moi taper. C'est taper, pas content. Non, déjà ça compte pas pour le cœur. Ah tiens, bah le caporal là, viens. Il est où ton caporal? Là. Je sais même pas où t'es toi. Voilà, tu lui causes, tu lui donnes. Quelque chose à signaler? Ah non, c'est pas ça. Non, je peux rien. Tuons-les. En plus, tu ramènes des ennemis dans le camp toi. Non, mais j'ai fait exprès. Ah, c'est une technique. C'est une technique de non-kill. Ah, c'est enseigné par Diarkos, il me semble, c'est en première année. Ah, ben oui. Ça, c'est un cours Diarkostien. Diarkostien, voilà. Ah là, putain, par contre, tout à l'heure, j'ai fait une séance. Oui. Tiens, tu vois là, émissaire de l'enquête et bandit. Là, il faut arriver et faire « Eh oh, de quoi vous causez les cons, là ?»« Eh oh, eh oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on leur pète la gueule. Attends, moi, je détruis la tourelle. Et dans les flammes de l'enfer, les bandits de l'enquête cramèrent comme des porcs. Mais c'est pas enquêtreux, hein. C'est quoi, alors? Enquêteux. Oui, bon, ça va. Ils peuvent faire aussi de l'équitation, je suis désolé. C'est moi ou t'es long pour tuer un monstre? Mais non, c'est juste que c'est lui qui est chiant parce qu'il bouge tout le temps. Genre, la bonne excuse. Mais non, regarde, il met des bombes.
Bah moi aussi je mets des bombes. Ah là j'ai pris tellement cher. Ah bah oui t'as le cul en feu. Ah ça y est. Mais ça c'est un sort, c'est un bœuf. Ah c'est un bœuf quand tu brûles des fesses. Oui c'est un... Avoir le feu au cul c'est un bœuf. Exactement. Ok. Allez. C'est important. J'adore poser mes bombes. C'est no brain, je peux jouer sans les mains. C'est vraiment plus il les pose tout seul les premières bombes. Bon allez allons les gêner. Esclavagiste. Cramer les esclavagistes. Allez, moi je crame tout, je m'en fous, gueudin de la vie. N'avez-vous pas honte? Putain, ça, t'as vu ça un peu les explosions de ah, mais là, alors, non, mais. Eh, mais nous, on est Michael Bay, hein, version Guild Wars. C'est nous, qui Michael Bay. Je suis un peu le réalisateur Explosion Transformers sous le tintouin. Ah, mais oui, notre pote. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je cherchais quelqu'un d'un peu plus intellectualisant, tu vois, genre un expert des explosifs, un truc, un repère, un expert ou un truc. Ah, bref, je vais crever, moi, choupette. Alors, c'est le temps que tu te déchaînes un petit peu. Voilà. Voilà. Mais par contre, ça va être très long, ça. Il y a un esclave ici, on peut lui parler. Bah, parlons-lui. Parlons peu, parlons bien. Youpi. Parlons peu, parlons bien. Bah, lui aussi, tu vois, il prend le même adage. Ah moi, je parle bien, dis donc. Tiens, il y a une technicienne de l'encaisse. Ah, j'avais dit, il y a un raton. De l'encaisse, je le bien dire. Oui, je suis fier de toi. Ah, ben j'ai fait très attention. Oui, c'est bien. Bon, moi je tue la tourelle. Enfin, la tuer, la détruire. Et non, c'est long à détruire en plus. Tom, 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 tom. T'arrêtes de faire pleuvoir des feux comme ça. Ah, au fait. Oui, quoi? Dans ta vidéo, j'en profite pour le dire. Attention. Ah, oh mon dieu, attention, message important. Attention, message important. Attention de tout le monde. Hein, faut dire félicitations à Foufflet parce qu'il atteint 5000 abonnés, c'est quand même incroyable. Ah, bah moi, oui, tu... j'avais déjà oublié, moi. Ah, bah oui. Le mec, faut pas que tu dises ça. Sinon, ils vont croire que tu te fous d'eux. C'est vrai, je voulais remercier du coup les abonnés pour les 5000. On a franchi le palier des 5K, ça y est. Et c'est avec un grand plaisir que je vous remercie sincèrement. Et franchement... Et bonne année. Et bonne année. Mais en plus, les 5K, c'est quand même un cap, quoi. C'est quand même... Ça, je trouve, dites-vous que maintenant, Foufflet sera beaucoup moins accessible. Ah là, ouais, maintenant, moi, j'augmente mes tarifs, là. C'est fini, là. L'amour de l'argent, tout ça, vous savez, hein. Ah non, l'argent pour l'amour. beaucoup ont succombé, hein. Dixit, du gros YouTuber parisien. Force X1, par exemple, hein. Ça y est, il a la grosse tête. Ah, il fait plus des Force X News, hein. Ah, depuis que les Force X News, elles fonctionnent, le tonnerre, il arrête. Hein. Jarkos, pareil, hein, il a pris du melon, ça y est, maintenant c'est Monsieur Top 5. Ah, maintenant, bah, ils partent, ils vont à des conventions, ils vont faire signer des autographes, et je suis mort. Ah, bah alors ça fait le kéké, et puis ça meurt comme ça, là, en deux secondes. Attends, attends, je suis derrière. Ah, faut m'aider. Ah, là, il est mort. Voilà. Ah, la petite chose, elle était mourue. T'as combien de PV, toi? J'en ai 1715. Ouais. C'est quoi ce rire d'ailleurs? J'en ai 2164. Mais mec, je suis élémentaliste. Et alors, t'es surtout. Je suis pas ingénieur cuir, tu vois. Cuir, cuir, moustache. Cuir, cuir, moustache. D'ailleurs, c'est quand que tu laisses pousser la moustache? Oh, j'aime pas, ça gratte. Bah, c'est vrai, ça gratte la barbe et la moustache. Moi, j'aimerais bien te donner un défi comme ça, te faire laisser pousser la moustache. Non, moi, je veux pas. Mais allez, c'est rigolo. Non, et en plus, je peux plus mettre mes crèmes quand j'ai la barbe. Parce que ça fait des grumeaux dans les poils. Bah, c'est pas sexy, les grumeaux dans les poils de barbe. Ah bah non, effectivement, je suis pas très sexy. Déjà, rien que le mot grumeau, il est loin d'être sexy. Ah, j'ai un pantalon bleu. Les amis, ce matin, j'ai des grumeaux. Il y en a pas des grumeaux ailleurs, mais bon. Oh. J'ai un fusil, t'es pas intéressé des fois? Ah, je sais pas, ouais, allez. C'est de la puissance et de la précision. Il donne quoi exactement? Bah écoute, je te l'envoie et tu verras bien. J'ai plus de place en fait, donc je peux pas le prendre. Ah, oui, envoie-le par courrier, je le prendrai par après. Alors, attends. Alors, est-ce qu'on tire dessus là? Oui. Ah, bah écoute, débrouille-toi. Ça va. J'ai fini le cœur. Bah pas moi. Ah bah oui, c'est normal, tu fous rien toi. Bah je t'envoie un fusil. T'envoie des SMS. Et non, je renvoie un fusil. Bon, moi, je vais bientôt crever hein, si ça continue comme ça. Ah, attends, moi aussi. Parce qu'ils sont quand même haut level, ces sons. C'est vrai. Meurs. Meurs. De toute façon, faut qu'on les tue. De la culotte. Voilà, nickel, j'ai mon cœur. Ok. Allez, on le crame et on se tire.
Ah, il y en a encore un là-bas. Ah là là. Allez, je lui dépose des petits paquets cadeaux. Salut, c'est Noël. Mais oui. It's Christmas. En avance. T'as vu, je fais caca. Hop, je me relève. J'ai fini, je me relève. Pour sortir, on a encore du monde, mec. Ah bah t'es en train de te faire taper toi. Bah non, toi t'étais en train de te faire taper. J'ai repris l'aggro pour pas que tu meurs, mais j'ai plus de vie en fait, donc c'est chaud. D'accord. Sinon on peut le faire à la cochonne. On se barre. Allez, on se tire. Ah, attention, technique de fuite. Ah, t'es où? Hop là. Ah. Ah, il y a même des tourelles ici. On est dans la merde. On peut le faire, on va y arriver. Foufflet. Ah le voilà, démerde-toi. Foufflet. Quoi? Il a volé tous les gemmes. Oh. Alors, attends. Tu vas me faire c'est pleurer. Bon, je suis arrêté. T'es arrêté ou arrivé? Arrêté. Ah bah tiens, nickel, on va aller tout droit en plus. Allez. Ok, y'a pas une option. Regarde, des vendeurs. Oh, il faut aider les gens, vite. Et moi, donc... je veux pas aider des gens. Ça rapporte rien d'aider les gens. Le social, c'est nul. Je veux faire comme Force X. Du marketing. Du marketing. Pour rentrer, je veux marketer. Je sais pas. Allez, moi, je rentre là-dedans. Ouais. Oh, bah, je suis fort déçu. Ah, la déception. C'est des mecs hyper déçus, en fait. Ah, le trompe-l'œil, quoi. Alors, analyse qui s'attend sur la structure donnée d'analyse corrompue. Séquence 4, 8, 32, 64. Compléter la séquence. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Moi, j'ai cliqué dessus. Ça m'a... C'est bon. Voilà, entrer les données d'analyse structure. Voilà, c'est parfait. J'ai rien compris. Moi non plus, c'est pour ça que je lis pas, je fais que cliquer jusqu'à ce que ça me dise que c'est bon. Ah, je peux pas prendre les cristaux d'harmonisation. Bah, je vais jeter mes tranches de viande de verre. C'est dégueulasse. Et je pense qu'il faut les récupérer ensuite, les données. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est comme ça que tu mines, toi? Ah, bah c'est ça. En gros, tu mets la séquence pour pas que le machin était. Bah, voilà, je suis trop fort. Voilà, je suis vraiment trop fort, c'est incroyable. Moi j'ai rien compris. Moi non plus. Tu sais, j'étais en train de réfléchir et me dire attends, faut peut-être faire ça et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, le jeu est en mode je m'en fous. Oh, des réparations, ça c'est intéressant. Moi je ne calcule rien. J'ai pris un level en tout cas, je suis level 20. Je pige pas un broc de ce que tu dis, de ce que tu fais. Mais ça a l'air bien. Le chapitre 2 de votre histoire personnelle est maintenant débloqué. Quel est votre destin? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est ton destin. Destin. Oui, t'as eu du mal à faire la suite. Ouais, un peu. J'ai vu. Je connais juste la phrase là, tu sais. Ah non, je fais du caca. Tu fais caca? Mais attends, on va venir voir. Non, non. Attends, voilà, ça c'est fait. On peut vendre auprès de cette chose? Bah écoute, j'ai... Non... Ouais. Moi j'ai galéré. Ah, chapitre d'histoire personnelle aussi débloqué. Puzzle du haut. Ah, puzzle de haut. Des puzzles. Attends, je suis perdu, t'es où? Laisse pas tout seul. Attends, puissance avec un grenade... Oh, une grenade puissante. Oh, nice, j'ai un bel anneau, attends. Je me mets l'anneau. Moi j'ai un bel... Je me mets l'anneau et vas-y. C'est bon. C'est un cock ring en fait, ton truc. Exactement. Oh, c'est sexy. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des ennemis. Non. Oucha, je me chire. Ici, caché derrière là. Ils attaquent la porte. Moi, tuez-les. Ça va, c'est facile. Pour l'instant, je m'en sors bien tout seul. Il ne me touche même pas. Il est occupé contre un autre monstre. Hop. Voilà, bon, allez, on se tire de là. Mais on a le cœur, on l'a loin de l'avoir fini là. Ouais. T'es où toi? Je suis là, mais en fait je cherche donc le cœur. Utilisez les configurateurs pour harmoniser les portails d'aura. D'accord. Pourquoi dès qu'on tombe chez les Azura, ta race de merde, c'est toujours compliqué les quêtes? Mais c'est pas compliqué. C'est juste que t'as pas le cerveau requis. Je ne sais pas. Erreur, calcul incorrect. Ah, je comprends rien. C'est compliqué. Tiens, configurateur. Alors, inventaire, les échantillons cristallins, 7 bleus, 7, 3 jaunes, cristaux échantillonnés, 10. D'accord. Indiquez les meilleures propriétés de sélection d'un cristal jaune. 3. Ah, on fait le malin, mais on n'en sait pas plus que les autres. Bah non, en gros, ils te donnent le chiffre et t'as juste à bien répondre le chiffre, quoi. Ah bon? Bah oui. Attention, calculateur de probabilité endommagé. 18 échantillons analysés. 6 échantillons détruits en cours de l'analyse. Estimez la probabilité d'une destruction d'un cristal au cours de la prochaine analyse. Et ben Sinon, quand tu tues les monstres, ça fait aussi... ça marche. Et c'est plus facile. Ah d'accord, 18 fois 3, donc ça fait un tiers de probabilité. D'accord, très bien. Voilà, okay. Là, il faut jouer avec une calculette maintenant. Mais non, c'est dans la tête, ça.
Allez, alors, échantillon 236. Alors, structure cristalline, angle de réfraction de 62 degrés. Bisection cristalline en cours, erreur. Angle de réfraction consécutive incorrect, correction manuelle. 72 x 2. Ah, j'ai trouvé une bonne réponse. 44. Ah, voilà, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. C'était 144. Tu t'en fous alors que je viens de réussir un exploit intellectuel? Incroyable, mais t'es vraiment fort. Ah, je le sais. Ok, matrice de modulation plafonnée à 17 000 oscillations en 7 heures. Ah, 27 minutes. Attends, je durée estimée pour atteindre le plafond à une fréquence de. Oh, oh. Alors attends. Oh là là, mon dieu, c'est quoi ce machin? En 7 heures, 27 minutes. Durée estimée. Oh, j'en sais rien, j'abandonne. Moi, je suis en train de tuer un gros monstre. Hein. Un gros? Gros comment? Ah, viens là en fait, si t'as pas envie de réfléchir. J'arrive, moi pas réfléchir, moi chercher combat. Moi con, pour réfléchir, trop compliqué. Ah ouais, mais moi connaître mes limites. Hein. Mmh. Mes limites sont très limitées. Bah voilà, tu tues les gens qui arrivent. Ok, ça c'est facile. Ça j'aime bien ça. Taper. Ah oui, ça c'est tout simple. Bah quoi, dis pas le contraire, hein. Toi aussi tu comprends ce que tu fais là. Bah oui, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc comme ça c'est terminé, bah faut retourner à nos calculs. Bon bah voilà, je ramasse ma tourelle, pardon. Voilà, ça c'est fait. Bah écoute, j'ai pas tout pigé à ce qu'il fallait vraiment faire en fait, mais... mais non, mais je répare les fréquenceurs et puis j'ai... Enfin, ça augmente le cristal, mais... Alors, 35 de longueur, 5 en largeur, 6 en profondeur, 2 volume. Calcul volumétrique. 6 fois 5... 30. En fait, si tu veux un truc facile, c'est toujours la première 60. Réponse. C'est toujours la première réponse. C'était pas la première réponse, hein, celui que j'ai eu juste tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Matrice de modulation plafonnée à 17 000 oscillations en 7 heures, 27 minutes. Durée estimée pour atteindre le plafond d'une fréquence à 40 oscillations par minute. Alors, cristal d'une longueur d'unité. Fait. Je vais tuer le monstre, c'est plus facile. T'es en train d'avoir une entorse de neurones. Matrice de modulation. Attends, il y a une matrice de modulation qui est plafonnée à 17 000 oscillations en 7 heures 27 minutes. Durée estimée pour atteindre le plafond d'une fréquence à 40 oscillations par minute. Donc ça veut dire que tu passes de 17 000 à 40. Tu sais que je veux pas te faire peur, mais je suis en train de me rappeler un truc, c'est que pour postuler là où je suis, t'as des tests à passer. Un test de 2 heures avec de la logique et des maths et des trucs comme ça. C'est pas vrai. Mmh. Je m'en rappelais plus. C'est de t'entendre faire les exercices là, du jeu que je m'en suis rappelé. Mais c'est dur ou pas? Non, ça va, c'est pas. Bah si moi j'ai réussi, hein, ça veut tout dire. Attention, quelque chose passe par la porte. Ces harmonies. Ah, il y a des Murello. Oh, mais il y a du système binaire, t'es sérieux? Moi, il n'y a pas de système binaire dans mes entretiens. C'est déjà ça. Attention, ces harmonies sont. Oh là là, il me manque trop peu, quoi. De quoi il te manque trop peu? Bah, il me manque... J'ai pas fini le cœur, en fait, là, je galère. Ah, mais moi non plus, il est pas fini, hein, mais ça va, ça... Petit à petit, ça se remplit. Alors, attends, il y a un nouveau, là. Cristal de longueur 5 unités, largeur 6, profondeur 2. Alors, l'épisode des matheux, en fait. Attention, calcul volumétrique non confirmé. Mais sinon, tu viens ici, t'attends les monstres à la sortie du portail et puis ça va. Et puis après, tu peux même réanimer les PNJ, ça te compte aussi des points. Ah, le truc, c'est que ça va. Donc, oui, tu auras un test d'anglais, un test de grammaire. Alors, fais attention parce que c'est éliminatoire la grammaire. Oh. Mais tu le fais en ligne, il te donne un lien internet et tu dois le faire de chez toi, donc tu peux utiliser des correcteurs orthographiques sur internet et tout. Le truc bâtard. Alors c'est une illustration. Mais c'est limité par contre, t'as qu'un certain temps maximum pour tout faire. Moi le cœur c'est fini. D'ailleurs s'il y a des gens qui veulent postuler, n'hésitez pas, hein. viens à Lisbonne, hein. On fera une team, on fera la team Rocket. Ou la team Croquette plutôt, vu comment tu joues. Attends, j'ai pas fini. Ah putain, je me trompe. Ah là là, mais reste vers le portail et tu verras, il y a des ennemis qui sortent. Bah mais ça va être long. Moi je vais voir le cœur. Ah, bah c'est de là que je viens. Non, je suis perdu moi. Je sais pas où je suis arrivé moi.
Ici, il y a des ennemis partout. Comment on est rentré là-dedans? Je m'en rappelle déjà plus. Inassis, tu fais quoi? Je tue des monstres. Vas-y, tue. Je t'en ramène d'autres. Il y en a plein ici. Oh, on a quelques petites difficultés, ma choupette. Non, mais je fais beaucoup de peu de dégâts. Ah, ça y est, le cœur est fini, on se tire. Allez, je me tire, hein, salut. Hein. Nice, si tu sais me dire où est la sortie. Bah, là où on est rentré. Je me rappelle plus par où on est rentré. Oh là 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 là. Bon, j'ai fait le tour d'un pilier, j'étais perturbé. Je me dis que si t'as passé les tests pour le boulot, c'est que je peux y arriver. Il y a pas de test Google Street View de map et tout ça. Oh. Alors, si je vais là, que je tourne à gauche et à droite, où est-ce que je me retrouve? Je sais pas. Là, il y a un cours. Il y a un cours? C'est quoi? Il y a un cœur. D'accord. Ah, c'est là le marchand de cœur. Le marchand de cœur. Bonjour, j'ai besoin d'un cœur. Bonjour. Sinon, je meurs. Bonjour. Sinon, je meurs. Alors, déjà, il y a des petites merdes à vendre. Ouais. Vendre. Vendre aussi. Mais au fait, le fusil, du coup, il est bien ou pas? Je sais pas, je me rappelais déjà plus. Donc, j'ai acheté un cristal pour le level 24, mais j'ai l'impression qu'on est dans une trop grosse zone pour nous, on galère un peu quand même. Ça va, attends. Je regarde le fusil. Hein. Vas-y, vas-y. Non, tu m'as envoyé de la merde. Bon, bah écoute. Je vais on a plutôt géré, là. On a déjà fait 4 cœurs, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On va se positionner pour l'endroit de la prochaine zone. Allez, zou, on va marcher jusque là-bas, tranquille. Ouais, comme ça, on observe un petit peu les magnifiques décors. C'est déjà plus joli par ici. Ouais, ça commence à être plus sympa là, regarde. Là, on a une belle montagne là. Ouais. Moi, je kiffe les graphismes de ce jeu. Bah, je suis pas un gros fada, je vais être franc. Si, ils sont bien, attends. Oh. Tu nous as fait chier le dernier épisode pour nous dire que c'était magnifique. C'est vrai que c'est beau, mais de là à dire non. Attends, la pâte graphique, elle déchire. Oui, elle déchire. C'est trop beau, on dirait un petit tableau, c'est trop magnifique. J'avoue, elle déchire, mais tu. Tu sais, je fais un peu l'éternel insatisfait pour pas faire croire aux développeurs que tu vois, ils ont atteint le truc bien, tu vois. Ah non, mais quand il y a des trucs que j'aime pas, je le dis, mais graphiquement, moi je surkiffe. Et j'adorerais avoir du vrai housing dans ce jeu, avec ces graphismes-là, une maison et tout, ça peut être que magnifique. Et bah écoute, là on va faire un peu d'escalade, garçon. Pourquoi tu veux aller là-haut? Bah viens. Tu verras, c'est une surprise. Ah, tu verras. Tout recommencera. Tu verras. J'y arrive pas. La vie, c'est fait pour ça. Tu verras. Je suis pas doué. Oh, moi aussi, putain. C'est alors. Un jumping puzzle? Non, c'est juste qu'il y a un panorama au-dessus. Je sais pas si tu le vois. Ah oui, bah putain, je suis pas arrivé. Hein. Allez, go. Objectif de la fin de vidéo, faire le panorama. Voilà. Il a intérêt à être beau, hein. Ah bah là, il ne peut qu'être beau, hein. Ah, nique sa mère. Yeah. Comment tu passes ici? Attends. Comment j'ai fait? Comme ça, voilà. Hop là. Attends, je vais jeter ma cigarette. Voilà. Donc. Oh là là, il fume en vidéo. Plaignez-vous, les gens, plaignez-vous. Bah oui, plaignez-vous, mais j'en ai rien à foutre. Je peux le faire. Attends, je vais faire mon Force X1. Là, je fais mon Force X1, mais c'est bugué, ça veut pas. C'est avec mon personnage, c'est pas possible. Bon, bah, je vous laisse faire, je ferai ça hors vidéo. Putain. T'es sûr qu'on peut passer par là? Mais toi, t'es une toute petite trace. Attends, si je fais mon fusil comme ça. Non. Ah oui, oh, yes. Ensuite, t'es passé comment? Ah bah, tu sautes jusque là où je suis, là. Allez, vas-y. Allez. Yeah, oh, du premier coup. Oh, GG, franchement. Ah ouais, n'est pas fouflé qui veut. Alors, là, par contre... Alors là, tu te démerdes, parce que moi, je vois pas où on passe. T'es sûr que c'est comme ça, le passage? Ça se trouve, c'est pas du tout là. Parce que moi, je dis que ça se trouve, il y a pas du tout à se faire chier comme ça. Attends, j'ai trouvé derrière. Ah. Non, c'est pas du tout là. Attends, regardons la map. Ah, je crois qu'il y a un passage de l'autre côté en fait. Ah là, il y a un passage. Ouais, allez go. Ah oh, non, oui je l'ai vu. Oh putain, la cachette du truc. C'est Tangumdour. Voilà. Ah. Ok, ah putain, attends, alors calme-toi garçon. Ici.
Oh yes. Putain, je suis vraiment trop fort. Oh, t'es trop fort, c'est moi qui ai trouvé le passage le plus compliqué. Pas du tout, pas du tout. Aïe, aïe, alors, me dis pas s'il est beau. Je veux m'extasier. Ah. J'ai rien dit, hein. Bah écoute, pour l'instant, je le trouve particulièrement sympathique. Ouais, ça fait... Ouais, c'est cool. C'est un petit peu brumeux et tout, j'aime beaucoup. Il est cool. Non, et il est chouette. Il nous en manque plus qu'un pour cette région, les terres sauvages. De quoi ? Il nous en reste plus qu'un à faire. De panorama ? Ouais, pour cette région, ouais, ouais. Je pense que c'est dans la zone grisée, tu vois, juste au-dessus, là, qu'on a un peu passé tout à l'heure, dans, au-dessus des landes de Crépustrac. Enfin, voilà. Ok. Oh, dis donc. Bon, bah, moi, je reste positionné ici pour le panorama pour terminer la vidéo. Du coup, j'ai dit Crépustrac et j'avais envie de roter. Oh, bah, je l'ai entendu, l'euro, ne t'inquiète pas. Ah, tout le monde l'a entendu, l'euro, c'est sympathique. Oh, bah, écoute, pour me faire pardonner, je me suicide. Allez, à chalut, hein. T'es où ? Bah, t'es même pas mort, et même ça, il n'avait pas foutu de le réussir. Ne te moque pas. Bon, bah, c'est sur ce suicide raté qu'on vous laisse, les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si ouais, c'est le cas, petit pouce positif sous la vidéo pendant qu'Eran ferme sa gueule. Un petit commentaire pour lui dire de fermer sa gueule également. Ah, dégage. On voit sa barbe bleue, hein, son suicide, je vous le confirme, est complètement raté. Sur ce, des petits bisous, des petits kissos, une grosse poignée de main, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Guild Wars 2 avec peut-être Force X1. Au revoir tout le monde. Un bijou. Toi, tais-toi, t'es pas foutu de mourir. Je suis méchancé.